Bienvenue au restaurant Paul Bocuse, dans les cuisines du restaurant avec Olivier, l'autre chef. Bonjour. On est ravis de vous recevoir pour une démonstration avec aujourd'hui le rouget en écailles de pommes de terre, un plat phare et emblématique de la maison. Les rougettes doivent faire 320 grammes. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, ils sont déjà vidés, écaillés. On va enlever les petites nageoires et on va lever les filets. Alors c'est plus facile de les... Quand on lève généralement un poisson et on garde les écailles. Dans un second temps, on va les écailler, les désarrêter. Alors le filet, une fois qu'il est levé, il fait pas loin de 100 grammes. Mais après, il faut pas oublier qu'on va rajouter les écailles. En fait, ça, c'est un plat qui a été créé dans les années 70. Et en fait, Monsieur Paul, il voulait faire ce plat parce que le rouget, c'est toujours un poisson qui est assez fort. Et donc, du coup, l'associer avec la pomme de terre et une sauce romarin et à l'orange, ça adoucit un peu. Et puis, vous allez voir tout à l'heure à la dégustation, on a quelque chose de quand même relativement doux. Donc nos filets de rouget sont écaillés, désarrêtés, parés. Ensuite, on va passer à la garniture. Donc on va recouvrir d'une fine couche de pommes de terre, les écailles de pommes de terre. Généralement, on utilise la pomme de terre binge. Alors en ce moment, c'est un peu compliqué parce qu'on n'arrive pas à avoir des belles variétés de pommes de terre. Elles ont beaucoup de sucrosité et du coup, elles ont tendance un peu à colorer. Parce qu'il faut savoir que ce plat, quand on le cuit, en fait, on le cuit à l'unilatéral. Donc d'un côté, et souvent les écailles ont tendance un peu à colorer un peu rapidement. Donc on règle bien la bonne taille. Idéalement, il faut que ça fasse entre 2 et 3 mm. La pomme de terre, il ne faut pas qu'elle soit non plus taillée trop fine, parce que sinon, on n'aura pas de croustillant. Et si elle est trop épaisse, le problème, c'est qu'on va avoir, pour la cuisson, ça risque d'être un peu plus compliqué. Voilà, donc là, on a trouvé la bonne taille. Ça fait 2-3 mm d'épaisseur. Ensuite, on va les emporte-piécer.
et à l'aide d'un vide pomme, on commence à faire les écailles. Alors on essaye d'optimiser hein, pour faire le minimum de pertes. Bon après on sait bien que nous les cuisiniers on est intelligents et qu'on va réussir à utiliser les parures pour un autre pour une autre recette ou simplement pour faire déjeuner le personnel. Donc là, on a nos écailles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les blanchir. Donc, départ eau froide, une ébullition, on rafraîchit et on égoutte. Nos écailles sont blanchies, on les égoutte et elles sont rafraîchies. Maintenant, on va passer au montage. Donc, pour le montage, on va mettre nos rougets sur des petits papiers. C'est important de les mettre sur un petit papier. Vous allez comprendre après pourquoi. C'est au niveau de la cuisson pour la prise en main et pour le poêlage. Ensuite, un peu de jaune d'œuf. Nos écailles sont froides, égouttées. On va procéder au mélange. Un peu de fécule. Parce qu'en fait, on a enlevé tout l'amidon quand on les a mis à blanchir. Un peu de beurre clarifié. Du beurre président, bien sûr. Ce qui est très important, c'est que votre beurre clarifié, il soit pas non plus trop chaud. Parce que si vous le mettez avec la fécule, ben ça va faire un gros amas. Et donc là, il faut que vous sentiez un peu sous la main ce côté un peu visqueux pour que on sente que les écailles vont bien adhérer sur le filet. J'ai un tout petit peu en rajouter. On mélange bien. Et une fois notre mélange réalisé, on va passer au montage de rouget. Donc, on a nos rougets et on commence d'un côté. En fait, c'est comme une toiture. Alors ça prend un peu de temps. Ce qu'il faut, c'est surtout que ce soit très bien régulier et toujours que ce soit dans le même sens. Sinon vos écailles, elles vont pas adhérer et à la cuisson, ça va pas être joli.
Je vais te faire le deuxième. Tout va bien? Vous n'avez pas de questions? Ben, ce qu'il faut, c'est pas les. En fait, vous allez voir, quand on les met dans la poêle, faut pas y toucher tout de suite. En fait, il faut que la fécule, elle fasse son action. Et après. Ouais, aussi, ça favorise, ouais. C'est surtout, en fait, le jaune, il va faire que c'est l'ensemble qui va tenir. C'est pas que les écailles, c'est surtout que ça va faire. Quand on le dissocie, on arrive parfois à enlever toutes les écailles qui sont cuites, et le rouget, on arrive à le décoller de la peau. C'est vraiment pour. C'est pas pour que les écailles individuelles entre elles tiennent, c'est vraiment l'ensemble. Ouais. Donc voilà, non rougé. Et quand on le, vous voyez, quand on le dresse, alors à la carte, on en met souvent deux. On a le côté gauche et côté droit, qu'on ait quelque chose de joli. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre au frais. En attendant. Ouais, toujours. Faut que ça prenne, ouais. Alors, concernant la sauce romarin, on a besoin de quoi? De l'orange, du romarin, un peu de poivre mignonnette, de la sauce blanche, poisson, une base qu'on a fait au préalable parce qu'on n'avait pas le temps pour tout faire, et de la crème épaisse président, ainsi que de la crème gastronomique. Président. Alors nous, on aime bien utiliser cette crème parce qu'on a ce côté velouté, et c'est ce qu'on recherche pour ce plat. Alors, on a le jus d'orange qu'on va faire réduire. Donc on va rajouter notre jus d'orange. Est arrivé à réduit et arrivé à l'état sirupeux, comme vous pouvez voir. Alors attention, ce qui est important, c'est de ne pas trop pousser non plus le jus d'orange, parce qu'après on va partir sur un peu ce goût caramel et brûlé. Et il faut quand même que ce soit suffisamment réduit pour amener de la force à la sauce. Ensuite, on va rajouter notre base de sauce poisson qu'on a fait au préalable. Donc sauce poisson, noyer, vin blanc, fumet, échalote, crème président. Toujours la crème président. Une fois que notre sauce poisson, elle est diluée avec le jus d'orange, on va rajouter la crème épaisse. Elle vient d'où, la crème épaisse? De chez Président. Vous pouvez utiliser de la crème épaisse de chez Président, mais également de la 35%. Nous, on utilise la 35% principalement, c'est sur la sauce, la base des sauces. Là, on va la faire bouillir et je vais préparer le romarin. Alors, le romarin, quand vous le faites infuser,
Petite parenthèse, ne faites jamais infuser avec la branche, avec la tige. Prenez juste les petites branches parce que ça amène beaucoup d'amertume. Et attention de ne pas trop faire infuser parce que là également on aurait de l'amertume. Donc là, en fait, ça c'est un plat. C'est un plat que Monsieur Paul il adorait. Et il voulait régulièrement manger son petit filet de rouget, souvent le dimanche. Quand on partageait le repas avec lui, on avait la chance de partager le repas. On appelait ça le repas de la direction. Et tous les dimanches, il nous invitait à la salle à manger. On passait un bon moment. On met quelques grains de poivre. Et je vais vraiment mettre la sauce d'abord à consistance avant de mettre le romarin infusé. L'infusion du romarin, ça va durer entre 3-4 minutes, pas plus. Justement pour la raison que je vous expliquais avant, ça ramène beaucoup d'amertume. Là, on va passer au poêlage. Alors, ce qu'on peut aussi, pour sécuriser, une fois que le filet est bien froid, on peut retamponner avec un peu de beurre pour vraiment être sûr. Et ça évite de rajouter trop de matière grasse dans la poêle parce qu'en fait, ça, quand ça va fondre, ça va. Voilà. Un peu d'huile d'olive. Faut pas avoir peur d'assaisonner parce que comme c'est une cuisson à l'unilatéral, après on pourra pas assaisonner sur l'autre côté. Au début, on y va tout doux. On ne touche pas le rouget pour vraiment que la chaleur elle fasse l'action avec la fécule et que les écailles adhèrent. Et après, on peut commencer, vous voyez, on peut les bouger. Ce qui est important, c'est de trouver le dosage de chaleur. Si ça va trop vite, ça brûle, c'est pas cuit. Si ça va trop doucement, la pomme de terre, elle absorbe tout le gras et on n'a pas un résultat croustillant. Et après, il y a le facteur aussi de la qualité de la pomme de terre. Donc, mine de rien, on croit que c'est simple, mais il y a plein de petites choses qui sont très importantes pour la réussite de ce plat. Quentin? Tu me sors une assiette, Quentin? Me sors une assiette, s'il te plaît? Parce que ça va. Je sais pas. Parce que je crois qu'il y en a un qui est pas. On va en faire un. Talbamix.
Vous voyez, la chaleur, elle monte tout doux. La chaleur monte tout doucement dans le rouget. Le but, c'est qu'on le retourne vraiment au dernier moment. Juste 3 secondes et on en voit. Là, les pommes de terre sont bien croustillantes. Ça manque encore un peu de coloration. Mais on a quelque chose de bien croustillant. Voilà, le rouget en écailles de pommes de terre. Une recette qui n'a pas bougé depuis plus de 60 ans. Bonjour à tous. On va réaliser aujourd'hui un plat qu'on a mis à la carte au départ de Monsieur Paul. Un plat qui nous était cher avec Gilles Reinhardt et toutes les équipes, c'est la grenouille. La grenouille, quoi de mieux qu'en parler que d'être ici. On est à côté de la Dombe. La Dombe, un endroit privilégié pour Monsieur Paul et tous les amoureux de la région. Donc, on a trouvé des cuisses de grenouille françaises qui viennent de Pierre Latte, par Patrice François. Un produit assez exceptionnel. On a voulu le rendre un peu plus gastronomique que ce qu'on mange sur les bords de Saône. Et je pense que le rendu va être assez sympa et surtout le goût. Voilà. Donc on va démarrer. On va commencer par préparer les grenouilles, les jambonnettes. Donc quand on les reçoit, elles sont comme ceci. On va prendre des cuisses. On va sectionner toujours après l'articulation pour ne pas avoir le cartilage qui reste accroché à la chair. On manchonne le premier os ici. Et on va venir sectionner en plein sur l'articulation le premier, donc le tibia finalement, pour venir manchonner par la suite la première petite jambonnette. Donc on va refaire une deuxième après. On sortira quand même les grenouilles qui sont préparées, ou nos équipes vont en faire. C'est pas difficile. Donc toujours après l'articulation, ce qui permet. Vous savez, de ne pas avoir ce petit morceau de cartilage qui est sur la chair et qui va craquer sous la dent. Donc ça, on va dire que c'est un point assez important. À la maison, peut-être vous ne les ferez pas de cette façon. Mais en tout cas, ici, on se devait d'avoir une préparation un peu gastronomique sur ce type de produit. Donc voilà, comme ceci. Ce qui est bien sur ce produit-là, quand on le reçoit, il est extrêmement frais. Ça a besoin de rassir comme une viande. Donc on le mettra au réfrigérateur sur un petit linge pour qu'il se dessèche légèrement pour qu'on puisse avoir un poêlage de qualité. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on aura défait toutes les cuisses de grenouille, on va garder les coffres. Les coffres sont importants. On va réaliser une sauce grenouille, une soupe de grenouille avec, finalisée avec du cresson. Donc ça va être vraiment le côté gustatif et très aromatique de la grenouille. En plus qu'elle va être poêlée. Avec une persillade, on ira sur un travail de saucier finalement. Chez nous, on ne jette pas, on travaille le produit du début à la fin. Voilà. Donc, on va se diriger sur la cocotte que nous avons ici. Toujours cuisiner avec du beurre président, c'est vachement important. On va mettre les cuisses de grenouille, enfin les carcasses à rôtir gentiment. Ce qui est important, comme quand on démarre un fond, attention, on va rajouter du sel. Le sel, comme c'est une sauce qu'on va réduire, on fait attention, on n'en met pas trop, mais c'est nécessaire à la caramélisation. Un peu de poivre. Donc le poivre, on a pour habitude chez nous de le torréfier. On va prendre le temps de le torréfier à la poêle pour le faire gonfler, finalement rééclater et développer tous les arômes du poivre. On perd l'agressivité du poivre et on retrouve le côté vraiment aromatique.
Donc vous avez vu, le but sur la soupe, ça va être de caraméliser ces carcasses. D'où l'intérêt, quand vous les recevez, de vraiment bien les égoutter et de les mettre vraiment sur plaque pour pas qu'il y ait un surplus d'eau qui va être difficile à évaporer par la suite. Ça va rallonger tous les process, et c'est pas ce qu'on recherche. En garniture, on aura de l'échalote émincée, de l'ail, un tout petit peu de laurier frais. Donc ça, on va le mettre dès à présent. Alors on ne met pas tout de suite au début, vous avez vu. On est sur une caramélisation, ça accroche, c'est exactement ce qu'il faut avoir. On va déposer la garniture. Pourquoi on ne met pas l'ail tout de suite? C'est qu'on ne veut pas le côté brûlé, amer qu'on a. Si on mettait l'ail dès le départ, il risquerait de brûler complètement. Donc c'est vraiment important de le mettre au moment où ça a déjà bien caramélisé. Et là, on peut mettre un peu sur le côté légèrement pour que la garniture ait le temps de cuire sans brûler et dégager tous les arômes qu'on a besoin. Encore une fois, la garniture sur un plat comme ça, d'en mettre trop, ça va cacher le produit. Nous, on essaye de moins en moins d'en mettre des grosses quantités parce que, chose qu'avant, on disait, il faut mettre beaucoup de garniture. Aujourd'hui, si on veut une soupe de grenouille, ce n'est pas une soupe d'échalote ni d'ail. C'est le produit, la grenouille, qui va être exhausté par l'échalote et l'ail qu'on va intégrer dedans. Donc, encore une évolution qu'on a chez nous. Et je pense une évolution dans votre cuisine. Pour trouver le goût du produit, il ne faut pas le cacher par 10 000 choses. Donc la grenouille, là, on a vraiment, je vous montre à tous, on a vraiment quelque chose qui accroche comme ceci. Ce n'est pas brûlé, hein. On parle bien de caramélisation. Maintenant, on va déglacer avec du vin blanc. Donc le vin blanc, plutôt sec, hein. On ne cherche pas à avoir un vin blanc doux. Ça permet de déglacer. Donc, petite quantité, ça, on ne va pas cuire très longtemps. Plus la quantité est grosse, plus le temps va être doublé, mais en tout cas, sur une petite quantité, on va être assez rapide. Pendant que le vin blanc réduit, on va passer sur la mousseline de carpe. On a associé ce plat de grenouille à un produit de la Dombes. Alors, pas forcément très vendeur. Donc la carpe, ce n'est pas forcément un poisson qu'on va cuisiner dans nos maisons, et pour autant, c'est important pour nous qu'il rentre dans ce plat-là. Alors nous, on la reçoit, c'est de la carpe IGP. Viens, viens vers moi, Thierry, viens vers moi, Thierry. Sur un produit de région, hein. Donc là on est sur de la carpe de Dombes, donc produit bio, sur certaines parcelles on a quand même la chance d'avoir une production bio. La particularité de cette carpe, c'est que c'est une carpe cuir, donc une carpe sans écailles. Elle est généralement travaillée sur des calibres qui sont bien spécifiques, parce que la carpe, comme vous le savez bien, c'est un produit qui est quand même bien chargé en arêtes. Donc il ne faut pas dépasser un certain calibre, 3 kilos reste maximum. Donc généralement, pour la restauration, pour faire de la goujonnette de carpe, du filet de carpe sans peau, sur différentes recettes, et même sur la préparation de la maison Paul Bocuse, on part sur des calibres entre 1 et 3 kilos. Voilà. Voilà, donc la carpe, on la reçoit, elle est filetée. Nous, on va la fumer. On la met dans notre fumoir. On veut amener ce côté fumé qui va amener une acidité sur le plat intéressante. Donc la carpe fumée, on va réaliser une mousseline. Donc ce qui est important, toujours quand on réalise une farce, c'est de mixer déjà la chair. La chair est bien mixée. Pourquoi on mixe la chair avant de l'assaisonnement? C'est pour que le sel puisse se diffuser dans l'espace qu'on a besoin et dans toutes les chairs qu'on a sur le plat. Ensuite, on intègre le sel. On retourne à nouveau. Gentiment, on va intégrer les œufs, œufs entiers et jaunes d'œufs.
Donc, cette carpe, on va la travailler sous forme d'entremets. On aime bien aujourd'hui, dans notre cuisine, revoir un peu les techniques et pourquoi pas s'inspirer de montages pâtissiers qui sont finalement très bien, sans pour autant partir trop loin. Mais voilà, on va réaliser un petit entremets de carpe fumée avec une crème d'ail sur lequel on déposera une viennoise de persil. Ça va être sur lequel on déposera nos jambonnettes de grenouille. Donc n'hésitez pas à bien mixer les chairs pour avoir finalement quelque chose d'assez homogène. On a quelque chose qui est très parfumé. Alors, ça sent assez le fumé. Vous verrez qu'en finalité du plat, ça ne va pas être trop dominant puisqu'on va intégrer à la fois de la crème épaisse et de la crème fouettée. On va mettre ça. Donc la crème épaisse qu'on dépose. La crème fouettée viendra vraiment en mélange à la marise sur la fin du process. Et pour finir, on aura le beurre. Donc là, on a quelque chose d'assez homogène. Donc, la problématique, c'est des petites quantités. Donc avec cet appareil, ça va relativement bien. Et maintenant, on va intégrer le beurre. Donc là, plus l'été est là, moins le beurre. Normalement, on le coule quasi liquide. Là, on l'a mis pommade plus, on va dire, entre guillemets. Et on intègre et la mousseline est terminée. Là, je ne vais pas la tamiser. Si on avait une plus grosse quantité et un appareil différent, on va la laisser comme ceci. Donc la mousseline de carpe est prête. On va la cuire. Donc je vous parlais d'un entremets. On va réaliser un gâteau. Ce gâteau, on va le cuire à la vapeur. Quentin, on cuit en vapeur. Donc explique-leur à combien. On va cuire à 65 degrés, donc vapeur complète, pendant 5 à 6 minutes selon l'épaisseur. Ça, donc là, ça va être une demi-plaque, donc ça va être un peu plus rapide qu'une plaque complète. Donc là, 5 bonnes minutes, ce sera suffisant. Voilà. Donc Quentin, c'est le responsable du poisson. C'est lui qui s'occupe de toute la partie poisson. C'est important de parler des équipes. C'est eux qui réalisent les recettes au quotidien et qui s'occupent de faire que les plats qu'on met en place soient réalisés parfaitement. Donc ça, c'est des mises en place qu'on fait pour la journée. On a suffisamment de couverts, donc on les fait évidemment pas dans ces quantités, mais voilà, c'est toujours la même attention qu'on a sur le produit, toujours la qualité du produit. Omar Acadien nous fournit un produit assez exceptionnel et pour autant de la carpe. Hein. Un produit, on aime en fait montrer aux gens que une grenouille, de la carpe, si c'est fait avec beaucoup de respect, on a souvent des plats qui peuvent être magiques. En tout cas, la grenouille est vraiment plébiscitée par nos clients. Et je pense qu'en France, la grenouille, c'est quand même un plat qui est important. Encore plus à Lyon, à côté de la Dombes, à 2 pas de la région aux 1000 étangs. Cher à Monsieur Marguin. Hein? Donc, la réduction vin blanc, c'est fait. Je passe sur autre chose directement. Quentin, tu peux mettre la mousseline à cuire, s'il te plaît? Donc, vous avez vu, on a la réduction complète, vin blanc. On va mettre maintenant un fond blanc de volaille. On va le réduire légèrement et ensuite crémer. Et la sauce sera à peu près terminée. Donc là, Quentin est en train de déposer un film sur la mousseline qu'on va mettre au four vapeur à 65 degrés. On va faire une cuisson qui va finalement être très rapide. Derrière, moi, je vais vous préparer
quelque chose. On va faire la crème d'ail. La crème d'ail, on va mettre, on confit de l'ail. Alors, l'ail, on coupe simplement les têtes en deux. Et ensuite, on va les déposer sur une feuille d'aluminium avec de l'huile d'olive. Et on laisse en fait le côté peau extérieur, ce qui fait que l'ail est protégé. Et on arrive à confire notre ail. Il cuit de par lui-même, par la vapeur qu'elle dégage. Et on arrive à avoir un ail qui est beaucoup moins agressif et qui est beaucoup plus rond en bouche. Donc, on va simplement, nous, faire une crème d'ail infusée. Comme je parlais qu'on réalise un entremets, cette crème, on va la coller, on va l'agariser. Donc, on va faire chauffer tout ça avec un petit peu de sel, évidemment. Une fois que ça bout, on intégrera l'agar pour pouvoir avoir la texture qu'on a besoin. Ce qui est important pour réaliser l'entremets, c'est de déposer la crème relativement rapidement sur le gâteau de carpe encore chaud. Si on veut que l'adhérence se fasse correctement, il est important de le faire quasiment en simultané. On arrive à pouvoir avoir les textures qui adhèrent entre elles. Voilà. Donc on réduit quand même le fond blanc. Encore une fois, vous avez eu, on n'en met pas, on en met par rapport à la quantité qu'on a besoin. Si on a une grosse quantité, on en met évidemment beaucoup plus. Toujours étant, on veut le goût de la grenouille, on ne va pas rajouter 60 000 choses dedans en quantité absolument hors norme pour perdre ce goût-là. On est plus sur une concentration que sur quelque chose où on veut faire vraiment des grosses quantités. Voilà. Donc moi, j'aime toujours le sel, toujours démarrer les cuissons. Pour moi, le sel fin vient juste en rectification d'assaisonnement au dernier moment avant l'envoi. J'aime pas assaisonner au sel fin des quantités importantes. D'une, ça n'a pas le même goût et j'aime pas ça. Même aux équipes, on leur apprend vraiment s'il y a besoin de rectifier, on rajoute un peu de sel au dernier moment. Mais on ne va pas démarrer avec 2 kg de sel fin alors qu'on pourrait mettre un sel de mer, sel de Guérande ou autre au démarrage de la cuisson. Voilà, j'ajoute, j'ai réduit à peu près de moitié, je vais ajouter la crème épaisse. Alors, on est dans une belle région et on aime le gras, donc on en met de la crème. Donc la sauce, là, vous voyez, elle est en train de se réaliser. On va venir ajouter une chlorophylle de cresson. Donc, je ne vais pas la réaliser devant vous, je pense que vous savez la réaliser. Simplement, on va prendre le cresson, on va le déstructurer avec de l'eau. On va le mettre dans un mixeur, on va mettre de l'eau, du sel. On va avoir vraiment un liquide vert et ensuite, on va le porter à ébullition. Avant l'ébullition, la chlorophylle va se décanter. Et nous, on récupère cette chlorophylle de cresson pour amener la couleur qu'on a besoin sur notre soupe de grenouille. Si on la laissait comme on va la voir ici, visuellement, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, donc on va la rendre un peu plus vert, vert pastel. Sans pour autant la colorer avec un colorant alimentaire, un colorant naturel qui a un intérêt dans la recette. Nous, c'est jamais juste faire beau pour que ce soit beau, faut que c'est un intérêt gustatif. Donc là, vous avez vu, ça bout. Je vais mixer l'ail confit. Nous, on n'aime pas mettre pour enlever. On met l'ail, on va le laisser dedans. C'est comme demain, vous faites une sauce chaudron, n'allez pas enlever les échalotes, qui pour moi ont un intérêt important. On laisse dedans, on a pris le temps à travailler un produit. On le laisse à l'intérieur. Donc, l'ensemble est émulsionné. Ce que va faire Quentin, il va sortir la mousseline de carpe. On va juste l'éponger un petit peu pour enlever le surplus d'eau qu'il pourrait y avoir sur la mousseline. Moi, en parallèle, je cuis, je mets la gare, je vais porter à ébullition. Ce qui est important, voilà, utiliser l'ébullition sur la gare. Hein. Voilà. Donc, elle s'est légèrement rétractée parce qu'on fait tout... très rapidement. Voilà. La crème a bouilli. À ce moment-là, j'ai la crème qui est prête, qui est agarisée. Exactement comme on veut.
Je vais la couler sur le dessus. Alors, on le met chaud, pourquoi? Parce que si vous mettez et que la mousseline est déjà froide, vous n'arriverez pas à avoir quelque chose de très régulier. On va tout mettre. À croire que la recette était pesée. Voilà. Donc vous imaginez sur ce gâteau, on a la mousseline de carpe fumée. On a l'ail qui va prendre. On va le déposer au réfrigérateur. Sur ce gâteau de carpe, qu'est-ce qu'on aime quand on mange une grenouille? On voulait ce côté un peu vert, persillade qu'on aime tous quand on mange ça. Et on a réalisé une viennoise de persil. Une viennoise de persil. Donc, on fait notre pain de mie. Alors, on fait un pain de mie tangzang. C'est un pain de mie à base de béchamel. On fait une béchamel. On aime beaucoup le travail du pain chez nous. Donc, un pain de mie tangzang, béchamel. Ensuite, on travaille notre pain. C'est légèrement vinaigré. On a un pain qui finalement reste très blanc. C'est pas brioché. Si demain vous faites des croûtons avec ça, c'est parfait. Ça ne bouge pas. Ils n'arrivent pas à se rétracter, c'est vraiment quelque chose de top. Et on cherchait un pain, nous, qui ne recrache pas le gras, c'est-à-dire il va absorber vraiment une grosse partie du beurre qu'on va pouvoir avoir mis dedans. On va réaliser, là, rien de compliqué, hein, c'est juste du mixage. Donc là, on est vraiment dans une recette très compliquée. On prend et on mixe tout. Donc ce qu'on va faire, on va déjà mixer le persil légèrement. Donc, persil plat, qui est beaucoup plus aromatique que le persil frisé. Ce persil plat, on le déstructure un tout petit peu pour que ce soit plus facile à l'intégrer et avoir quelque chose d'homogène. Sans pour autant chauffer. L'ennemi de cette recette-là, ça va être de trop chauffer l'appareil et d'avoir quelque chose qui se rend très liquide. Donc c'est simplement le déstructurer très rapidement comme ceci. Là, auquel on va ajouter donc le pain de mie. Est-ce qu'on a deux feuilles sulfu plastique, Quentin? Là, on a le pain de mie, vous avez vu, c'est déjà très joli. Et là, on n'a que des choses naturelles. Donc, je pense que des fois, c'est important de se rendre compte de ce que la nature nous offre. Vous verrez, tout à l'heure, on va aller au jardin. On a vraiment des choses qui sont sympas. Les couleurs, là, sont absolument superbes. Maintenant, le beurre. Donc, le beurre, de la même façon, n'allez pas intégrer le beurre trop dur dedans. Vous n'arriverez jamais à avoir un mélange homogène et vous allez surchauffer et ensuite avoir quelque chose qui va complètement relâcher. On est vraiment sur quelque chose d'assez souple. Alors, de la même façon, en hiver, si vous faites ce plat, bah, le beurre sera un peu plus mou. Faut adapter aussi à la saison. Vous n'aurez pas les mêmes conditions dans vos cuisines. Et ça, c'est important. Le sel, on va mettre un tout petit peu de sel. Je l'ai pris où? Sel de Guérande, je l'ai mis où? Ici. Donc cette viennoise, on va venir la déposer par la suite. Avant, il va falloir l'étaler entre deux feuilles. Donc on a pris du papier guitare assez souple. On va prélever l'appareil. Vous avez eu la couleur? On est vraiment sur quelque chose de très sympa. Alors, je n'ai pas pu faire, je vais juste faire pour la démo. Donc quand je vous parle de technique de pâtisserie, vous avez vu, je pense qu'il faut s'inspirer de tous les corps de métier qu'on peut avoir dans nos cuisines. C'est important, c'est enrichissant.
Nous, l'arrivée de Benoît Charvet ben, nous fait découvrir des techniques, on les adapte, on les utilise ou pas, mais en tout cas, on les voit. Le but, c'est vraiment de l'étaler assez finement entre ses feuilles, d'avoir quelque chose de très régulier. Et là, la viennoise, on va la faire prendre au frigo et on va réaliser l'entremets de carpe. Voilà l'entremets de carpe terminé. Comme vous pouvez le voir, on a la moussine de carpe, la crème d'ail et la viennoise qui est sur le dessus. Comme vous pouvez voir, la viennoise est extrêmement fine. On ne cherche pas à avoir quelque chose d'indélicat sur la bouche. On va vraiment avoir la couleur et le parfum du persil plat qui est sur le dessus. Voilà. Donc ça, la finesse est importante. Pourquoi? Ça, c'est un produit qu'on ne va pas réchauffer. On va juste le passer salamandre. Je vais vous demander juste d'allumer la salamandre. Voilà. Donc on va le mettre sur une assiette chaude et la salamandre suffira à apporter la chaleur qu'on a besoin pour le plat. On ne va pas passer ça au four. Donc le réglage de l'épaisseur est assez important pour pouvoir maîtriser l'envoi de tous les plats. La sauce, on va la filtrer. Vais demander mon bras droit, Quentin. Il court, Quentin, aujourd'hui. Donc, dans la sauce qu'on va filtrer, on va la passer et ensuite on intégrera le cresson. On va même le mettre maintenant pour pouvoir la mixer. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, on va mixer avec le cresson. Ouais, on va le mixer comme ça. Donc, on va travailler le cresson pour lui amener juste une petite cuisson. D'accord? Donc, on va finaliser. On va mixer de nouveau avec les carcasses et on filtrera la sauce. Donc, quand vous mettez le cresson, n'allez pas cuire trop longtemps. On cherche juste à amener un peu de chaleur. Et le fait de mixer ensemble, ça va apporter juste le goût qu'on a besoin. Quoi qu'il en soit, la couleur partira légèrement. On la rajoutera après avec le cresson qu'on aura fait en chlorophylle. Sur ce plat, je vais vous parler de la maison Fresnon parce que finalement, un plat, c'est finalement plein de fournisseurs. Donc, on a la maison Patrice François, les Grenouilles de France. On a la maison Fresnon qui nous sert depuis plus de 60 ans, quatrième génération, qui nous amène le cresson. Ils trouvent Vergenat, cresson de jeunes qui ont repris des cressonnières bio. Et là, on a découvert, il n'y a pas si longtemps, Vif System. C'est pas Magic System, c'est Vif System. C'est des gens qui font des herbes. C'est des gens qui font des herbes au-delà de beau, parce que ça n'aurait pas sa place chez nous. On a des produits extrêmement gustatifs. Et là, le cresson qu'on va déposer sur la grenouille, et pas là juste pour faire beau, mais vraiment pour amener quelque chose. Donc, c'est important de présenter leur travail. Ils sont à Lyon. La maison Fresnon, c'est une maison qui nous suit depuis toujours. Et les Grenouilles de France, c'est quelqu'un qui a pris le pari de nous servir et qui va jusqu'au bout de ce qu'il a dit. Donc, c'est vraiment une maison ici où le fournisseur est essentiel et respecté et mis en avant dès qu'on peut le faire. Voilà. Donc, on a quasiment le plat. On va mixer la grenouille. Bon, j'ai anticipé, on a triché un petit peu. On va avoir la soupe qui a été passée. On a le cresson, les grenouilles et le petit gâteau. Donc, la soupe de grenouille, vous avez vu, elle est un peu fade en couleur. On va ramener ce que j'ai dit tout à l'heure, la chlorophylle. Sauf que la chlorophylle, on va la mettre au dernier moment dedans. Sinon, malgré tout, elle va perdre sa couleur, elle trouvera moins d'intérêt. On va simplement la relier légèrement, donc avec un roux, le roux ou beurre manié ou fécule de pomme de terre, comme vous voulez. On va juste amener le côté un peu sirupeux, parce que le but de ce plat-là, c'est de venir le manger avec les doigts. C'est un plat un peu canaille, on a le droit de venir manger chez nous et de prendre le doigt et de tremper la jambonnette de grenouille comme ça. C'est un plat comme ça, en tout cas imaginez pour que ça se passe comme ça dans le restaurant. Donc, une fois que la sauce va être mise au point, on va la laisser sur le côté. On va la laisser cuire un tout petit peu.
le poêlage. Donc le poêlage, nous, on démarrera à l'huile d'olive, mais pas beaucoup. Le beurre président, évidemment. Une panure, enfin une farine, pardon. Donc on a un petit secret. Simplement, dans la farine, nous, on intègre un peu de poudre de lait pour favoriser la caramélisation. Voilà, donc après, chacun fait comme il l'entend. Donc les grenouilles, par contre, vous savez que c'est un plat qui mérite l'assaisonnement. Si on a peur de saler une grenouille, on aura un plat qui sera fade en finalité. Et le poivre, c'est pareil. De la même façon, ça va rendre le produit un peu plus Pepsi et ça va être agréable. On va les mettre dedans. Donc là, comme elles sont un peu humides, je vais les laisser absorber, la farine va absorber l'excès d'humidité qu'on a dans le produit. On va prendre une assiette. Donc, je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on va mettre sur l'assiette, mais qu'on ne va pas chauffer en amont. On aurait pu même le mettre sorti du frigo. Voilà. La chaleur de l'assiette, aujourd'hui, nous, nos assiettes, elles sont chauffées à 80-90 degrés. Déjà, l'entremets est déjà en train de chauffer. Ensuite, Quentin, tu pourras me la chauffer le temps que je poêle les grenouilles, la persillade, et on va démarrer la cuisson. Certaines personnes diront que la cuisson d'une grenouille n'est pas compliquée. C'est ce que j'explique aux équipes. C'est finalement très compliqué d'avoir un produit qu'on arrive à rendre croustillant, mais pour autant pas surcuit. Alors là, on fait une petite quantité, ce n'est pas très compliqué, mais quand on a dans un service beaucoup de grenouilles, chaque moment est important. La poêle très chaude, les remuer à tel moment, amener le beurre à tel moment, la persillade à tel moment, c'est un ensemble de choses qui fait que la grenouille peut être belle ou pas. On rajoutera des petites chips d'ail. Donc là, on va faire le poêlage de la grenouille. Je vais venir les déposer. Donc je les prends finalement comme le client va les prendre. J'ai pas de... Et le côté, alors je vous parlais de la poudre de lait, bah ça aide finalement à caraméliser l'ensemble. On contient du sucre dans le lait. Le sucre va vous aider à avoir une belle caramélisation du produit. Vous pouvez le faire évidemment sur d'autres produits que la grenouille, hein, et ça fonctionne très bien. Donc avant de mettre le beurre, c'est important de caraméliser et de colorer. Si vous mettez le beurre trop tôt, vous n'arriverez pas à colorer votre grenouille. Donc pendant que je fais ça, Quentin a chauffé l'assiette. Là, je vais déposer le beurre. Vous avez eu la caramélisation. On a quelque chose de doré, de pas noir. Et la persillade. Donc persillade également, avec du persil plat, pardon, pas frisé. Donc, vous avez les cuisses de grenouille, l'assiette est chaude. On a les chips d'ail, Quentin? Donc je vous parlais du cresson tout à l'heure. Le cresson, c'est pas juste pour être beau. C'est vraiment, ça va amener quelque chose de puissant à la dégustation. On est vraiment sur une herbe très, très aromatique qui va amener limite ce côté poivré qu'on pourrait rechercher. Voilà. Dessus, juste des petites chips d'ail. Donc l'ail, de la même façon, nous, on prend de l'ail frais qu'on va blanchir. Là, on a là. Donc là, regardez la chlorophylle qui est ici. On va venir déposer la chlorophylle dedans, fouetter. Un piston. Pardon. Et la soupe de grenouille va être finalisée. On viendra simplement
Voilà, comme ceci.